Bonsoir à tous les trois et bienvenue sur ce plateau. C'est cool, ils ont la patate. Ils ont la pêche, ouais. Ils ont la pêche. Ils font peur, mais ils ont la pêche. Kamel, toi, t'as déjà travaillé pour Moïse, Louis XIV et Cléopâtre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a intéressé chez Dracula? C'est qu'il a pas d'âge. Ah oui, il a quel âge au final? Il meurt ou il est encore vivant aujourd'hui? Je pense qu'il est encore vivant. Ah oui, ouais. Et c'est Mylène Farmer, il s'appelle Mylène Farmer aujourd'hui. C'est toi, Golan Youssef? Youssef. On va t'appeler Youssef, direct. Non. Youssef, ça dit. C'est toi qui interprètes le rôle de Dracula. Ouais, comment tu t'es préparé pour ce rôle? Avec plein de films, l'histoire déjà de Bram Stoker. D'accord. Et toujours avec Kamel, on a vraiment travaillé en dialogue. Donc, Et t'as traîné avec des gothiques à Châtelet ou... Oui, ouais, tout de suite. Non? J'ai commencé par louer un château en Transylvanie. D'accord, là c'est la base. Mais j'ai jamais arrivé, donc... C'est le château de la Starac maintenant, il reloue en fait. Kamel, tu t'es beaucoup inspiré du film de Francis Ford Coppola. Ouais. Où il y a pas mal de sexe. Ça ken dans Dracula. Si. Je m'en rappelle. Moi j'avais 11 ans. Il y a quelques scènes torrides dans le spectacle aussi. Ah, c'est ce que je voulais te demander. Ouais. Donc on en a pour notre argent. Il y a... Ouais, c'est vrai que toi t'es un petit peu voyeur, tu peux venir, tu vas je passer peux un venir bon moment. Avec grand plaisir. Et ce spectacle est une adaptation libre du roman de Bram Stoker. Je vais juste raconter un petit peu l'histoire de Dracula pour ceux qui ne la connaissent pas précisément. Alors en gros, c'est le comte Vlad III qui part combattre les Turcs. C'est normal, on a toujours à un moment donné dans notre vie envie d'aller combattre les Turcs. Tu vois, ça on ne peut pas lui reprocher. Et sa femme reste à la maison. Et elle pense qu'il a été tué. Donc elle se suicide. C'est déjà magnifique. Elle reçoit une lettre où on lui annonce que son mari est mort. Donc elle se dit qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Voilà. Elle se jette. Elle se jette? Elle fait une France Télécom direct. Voilà. Quoi? Elle se jette de sa tour. D'accord. Voilà. Et alors lui, il apprend ça. Et du coup, là, il est parti en vrille, quoi. Il renie l'église. Il renie l'église. Ouais. Et là, petit à petit, il a eu des pouvoirs maléfiques. Et c'est comme ça qu'il est devenu Dracula. C'est ça. Oui. Bravo, t'as bien appris la leçon. Rien de grave. Sa femme s'appelle, celle qui est décédée malheureusement, en pensant qu'il était mort, s'appelait Elisabeth. 400 ans plus tard, parce qu'il n'est pas mort encore aujourd'hui, on en a parlé. 400 ans plus tard, il rencontre Mina, qui est le sosie parfait d'Elisabeth et qui est magnifique. Elle est juste ici. Les garçons sont d'accord avec toi. Les garçons sont très d'accord. Faut appeler les CRS ou un truc. Hein, ouais. Tu connaissais l'histoire de Dracula? Je connaissais, bien sûr. Après, je me suis plus documentée pour le rôle. Tu t'es fait un petit Wikipédia, comme on fait tous. Plus que Wikipédia, mais oui. Ouais. Oui. Et toi, Golan, tu connaissais l'histoire de Dracula? Je connaissais la mythe, disons, mais je ne connaissais pas vraiment l'histoire. Et bien sûr, j'ai fait Wikipédia et je suis tombé sur un documentaire super intéressant de Vlad Tepes, le troisième. Donc, t'as bien fait... D'accord. Faut que je me concentre quand tu parles, parce que... De toute façon, de parler avec Marum, tu sais, faut toujours à un moment donné... Tu vois ou pas? Sa rhum, c'est sa mère. Non, mais c'est pas grave. Ça fait pas longtemps que t'es en France et je trouve que tu parles déjà très bien. Moi, j'ai un oncle, je te jure que c'est pas une connerie. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 30 piges qu'il est en France. Et l'été dernier, il faisait très chaud. Et il a dit, ah, il fait chaud, c'est la clavicule. Tu vois, donc... Donc c'est pas grave. C'est-à-dire que quand il va chez le médecin, il dit, j'ai mal à la canicule. Juste ici. Alors, donc, vous tombez amoureux, Mina et Dracula. Tout à fait. Nathalie, toi, est-ce que t'as déjà été tentée de tomber amoureuse du vrai, du Golan, là? Parce que je sais que les filles aiment bien, toi, tu te calmes. C'est la seule meuf de ma vie que j'ai vu applaudir comme ça. Non, non, on se calme. Je sais qu'il plaît aux filles. Il s'est jamais rien passé entre vous? La question, c'est, il plaît aux filles, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle tombe amoureuse chaque nuit qu'elle danse avec moi. Mais c'est aussi parce que je me prépare. C'est un boulot, hein. Ça marche avec les filles quand t'as un petit accent comme ça. C'est vrai. Le gars un peu mystérieux, hein. Comme lui. T'as vu comment il est?
Eh, viens, je t'emmène boire un verre, tu vois. Tu vois. Et un mec qui met du pento peut pas être mauvais, donc tu vois, je... C'est mec... ça, soit elle comprend pas, donc elle vient quand même. Elle vient quand même sur un malentendu. Toi, là-bas, tu es gymnaste. Oui. T'étais dans l'ensemble France, on dit pas l'équipe de France, l'ensemble France. Dans l'équipe de France, parce que j'étais en individuel avant, et après dans l'ensemble. De gymnastique rythmique. Oui. Tu es donc très souple. Oui. C'est tout, je voulais juste dire... La preuve. Est-ce que tu peux nous montrer un truc? Par exemple, quand tu montes ta jambe comme ça, tu fais... Et tu touches la tête comme ça. Je vais te la monter devant. Tu me la montes devant? Mais je prends appui sur moi, je t'en supplie. Voilà. Ça sert à rien de te la raconter, hein. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez, parce que là, vous êtes en train de mentir. Est-ce que t'as un chéri? Question secrète. Ah, mais je garde le mystère. Mais t'as conscience que ça rend fou, les mecs, la souplesse? Peut-être. Là, par exemple, je te dis, il y a des gens qui ont saigné du nez avec ce que tu viens de faire. Je te jure. Et tu t'étires pas? T'as travaillé aujourd'hui ou c'est sans échauffement? Tu peux faire ça? Non, ça se travaille. Alors, avant de venir me voir, tu t'es échauffé? Non, du tout. Ça se travaille, mais maintenant, c'est acquis. C'est acquis maintenant, tu peux le faire à n'importe quel moment. C'est ça. C'est bon à savoir, c'est très bon à savoir. Je pense à tellement de queues truies, là. C'est bon, j'arrête. Ah ouais, putain. T'as vu que le monde me regarde, là? Hein, elle veut son reveu, elle veut, hein. quand Kamel t'a appelé, t'étais à New York, Golan. Ouais, ouais. Et puis t'as tout abandonné pour participer à cette aventure. Plus ou moins, j'ai quitté la compagnie où je dansais pour commencer Dracula. Attends, parce que là, t'es en train de m'énerver dans le bon sens du terme. Non, non, j'explique parce qu'il parle bien, il a quelque chose et tout. Je suis sûr que tu sais cuisiner en plus. Oui, tout ouais, à il fait. Est... Il est... ouais. Tu cuisines quoi? C'est quoi ta spécialité? Ma spécialité, c'est du risotto du four. Le risotto du four. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? Risotto du four, exactement. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Vous connaissez la risotto? Moi, je connaissais la pizza du micro-ondes, mais le risotto du four... Le risotto, oui, je connais. Et tu le fais comment, toi? Je le fais, en fait, en couche. D'accord. Et après, je le mets dans le four. Voilà, tout simplement. Ah, d'accord. Risotto gratiné. C'est gratiné, d'accord, exactement. Kamel, tu cuisines, toi? Moi, je vais manger chez eux. D'accord. Au début, il y avait quand même plus de 9000 prétendants pour jouer dans cette comédie musicale. Pour toi, est-ce que Nathalie et Golan, c'était une évidence? Nathalie, en fait, on s'est rencontrés la première fois sur Cléopâtre, parce qu'un jour, je reçois un coup de fil. On m'a demandé si je voulais bien rencontrer l'équipe de France de gymnastique rythmique, ouais, parce qu'ils préparaient les JO. D'accord. Pour savoir si j'avais envie de les chorégraphier. Moi, j'ai dit, je veux bien les rencontrer, mais je ne me sens pas du tout à l'aise avec cette discipline que je connais trop peu, ouais, que je trouve sublime, mais ce n'est pas mon univers. Mais je veux quand même bien j'aimerais les rencontrer. Puis en fait, j'ai piqué Nathalie à l'équipe de France parce que je lui ai proposé d'intégrer Cléopâtre. Et quand elle est venue passer l'audition, pour être très honnête, je pensais à personne, parce que sinon, je n'aurais pas fait passer l'audition. D'accord. Et puis, quand il y a eu la rencontre des deux personnages... Ils vont bien ensemble, en plus. Ils vont super bien ensemble. En fait, j'ai hésité entre trois danseuses pour être le duo. Et puis, j'ai... puis l'alchimie, moi, en fait... Moi, j'ai essayé avec les trois. Oui. T'as essayé avec les trois? C'est vrai, on a fait une audition et j'ai essayé la chorégraphie avec... Alors, il y en a une où il m'a dit, j'ai eu le sentiment que, voilà, que c'était très artistique, c'est... D'accord. Ouais, voilà, c'était juste on s'en fout, quoi, en fait. Oui, voilà. Oui. Hein, c'était ça. Bien. C'était bien. Après, l'autre, c'était... j'avais le sentiment que c'était presque un duel. D'accord. Et l'autre, j'avais presque le sentiment de faire l'amour avec elle. En fait, oui, d'accord. T'as l'air d'un romantique, mais t'es un crève-la-dalle. Tu les as très bien choisis parce que le spectacle est très réussi. Et tout de suite, on regarde la bande-annonce de ce spectacle qui s'appelle Dracula, l'amour plus fort que la mort. Et je rappelle que c'est en tournée à travers la France. Le jugé qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie. Il vit dans un monde qui s'éteint le jour. Où on peut tuer par amour. Dans vos nuits sans passion. Il entrera toujours. Tous vos rêves sont
ciel. Pour elle, il a vaincu la mort. Ça s'appelle Dracula, l'amour plus fort que la mort. Et c'est en tournée à travers toute la France et en Belgique et en Suisse aussi bientôt, il me semble. Oui. C'est ça ? On tourne jusqu'au mois de juillet et puis on part aussi ouais, Suisse et Belgique. C'est une première aussi mondiale, il me semble. Il y a des effets en 3D dans le spectacle ? Ouais. Alors, comme c'est un petit malin, Dracula, pour séduire sa bien-aimée, il décide de l'emmener dans un monde parallèle où il réinvente la faune et la flore dans un monde très coloré. Et donc, donc c'est là où les gens qui viennent voir le spectacle mettent leurs petites lunettes 3D comme au cinéma. Ah, il y a les lunettes. Il y a les lunettes, ouais. D'accord. Et là, il y a l'interaction. La différence avec le cinéma et le spectacle vivant, c'est qu'il y a l'interaction entre le spectacle vivant et l'écran vidéo immense. Et on ne sait plus ce qui est réel ou pas. C'est fou, ça. Ça coûte cher ? De créer ce monde parallèle, ce monde parallèle. Ça coûte super cher. Kamel, Nathalie et Golan, vous savez que dans la presse, on dit beaucoup de bêtises. Et tout de suite, je vais vous donner des informations. Et vous allez me dire si c'est mytho ou pas mytho. Une Américaine est totalement dingue de son urine. Elle la recueille systématiquement afin de la boire, mais elle l'utilise aussi pour se brosser les dents, prendre son bain ou même se faire des bains Dieu. Mytho. Mytho ? Tu dis mytho ? Non, moi je dis c'est vrai, c'est possible. Donc pas mytho ? Non, pas mytho. Golan ? Mytho. Mytho ? Mytho. Donc il y a deux mythos, on va garder la réponse mytho. Eh ben malheureusement, c'est vrai, c'est pas mytho, c'est dégueulasse. Oh ah oui. Pour ceux qui ne nous croient pas, on va regarder un extrait de la vidéo où on la voit se désaltérer. C'est plein de vitamines. Ah oui. Alors on continue. Ah oui, alors juste pour vous en parler, cette femme de 53 ans est même passée dans l'émission My Strange Addiction, bilingue de ouf. Elle affirme que son urine l'a considérablement aidée à lutter contre son cancer. Elle en boit environ 2 à 3 litres par jour. On continue. Des chercheurs ont mis au point une salade naturellement déjà assaisonnée. Ils ont modifié ses gènes afin de lui permettre d'avoir un goût mi-salé, mi-poivré avec une pointe d'ail. Il sera donc inutile d'y ajouter un quelconque assaisonnement. C'est-à-dire que là, c'est déjà une salade César, en fait, sans rajouter des éléments. C'est des scientifiques qui ont fait ça. Mytho, pas mytho ? Mytho. Mytho ? Moi, je dis mytho. Toi, tu dis mytho aussi ? J'espère mytho. Moi, je dis mytho. C'est mytho, évidemment. C'est cool. On continue, une Australienne amputée d'un bras a remporté un prestigieux concours de pole dance à Hong Kong. Possible. Possible ? Yes. Vrai. Vrai ? Le pole dance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, C'est la danse avec la barre au milieu. C'est pas forcément du striptease. Non. Mais souvent dans les bars à striptease, mais maintenant c'est devenu même presque quelque chose d'artistique. Ouais. Mais c'est avec pourquoi je dis pas mytho ? Parce que moi, dans la compagnie, il y a un danseur non valide. Je sais. Et vu ce qu'il fait, il pourrait faire un numéro de pole dance incroyable. D'accord. Donc c'est moi, je suis sûr que c'est pas. Il lui manque mytho. Une jambe à ton danseur, mais il lui manquerait un bras pour faire du pole dance. C'est possible. Mais elle se sert de ses jambes. Elle se sert de ses jambes, elle se sert d'un bras, tout est possible. Golan, tu penses aussi ? Moi, je comprends pas le pole dance. Le pole dance, c'est comme le striptease. Non, mais vas-y, montre-nous, regarde. Allez, vas-y. Non, Si. Je vais vous expliquer, je le ferai sans aucun problème, mais le pole dance, ça m'excite pas, parce que le truc de la barre, chelou, ok, c'est beau dans les trucs de striptease, mais j'ai vu un Roumain le faire dans le métro, et depuis, ça ne m'intéresse plus. Donc je ne ferai pas de démonstration, voilà. Je me sors de tout. Alors, il monte dans une barre, il se déshabille, et il manque un bras. Tu penses que c'est mytho, pas mytho ? Pas mytho pour les trois ? Ouais, sûr. Très bonne réponse, pas mytho. Eh oui. On regarde à quoi ça ressemble. Bravo, hein. C'est énorme. Ouais, c'est une J'espère qu'elle nous regarde. On lui fait un coucou. Mais non, mais c'est gentil. Quoi ? J'ai envie d'être gentil. Et... Salut. Non mais. En tout cas, non mais bravo. Il y en a qui ont des handicaps et tout qui s'en sortent. Vraiment, je félicite. On continue. Un Suédois construit sa maison uniquement en Lego. Il avoue que le plus dur a été pour la cuisine parce que les Legos, étant en plastique, avaient tendance à fondre à proximité du four. Mytho.
Pour tout le reste, ça roulait, mais pour la cuisine, ça fondait un peu. Mytho, pas mytho? Mytho. T'es sûr? Sûr. C'est possible une maison en Lego? Non. Non? Toi non plus? Mytho. Golan? Pas Golan, mytho, pas mytho. Pas mytho? Ouais, pas mytho. Regarde, mytho, Ikea. Mytho, mytho, mytho. Non, c'est mytho. C'est mytho, évidemment. Le spectacle dans lequel on peut vous voir s'appelle Dracula, mis en scène bien évidemment par Kamel Wally. Je rappelle que ça s'appelle L'amour plus fort que la mort. Est-ce que vous êtes célibataire? Mystère. Pourquoi vous voulez garder ce mystère? Moi je le dis, hein. Voilà, j'ai 4 femmes qui m'attendent à la maison. Et toi? Moi je suis célibataire. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il va te pécho, mais, toi. J'ai pas de temps, j'ai pas de temps à ce moment. Tu fais quoi pour rendre folle une fille? Par exemple, si tu... Par exemple, on dit ce soir, il y a une fille qui te plaît dans le public, d'accord? Tu la ramènes chez toi, tu vois là. En général, elles disent oui, je peux te le dire. Et tu la ramènes chez toi, tu lui fais quoi? Tu lui fais... Bon, déjà, le... Je crois que je la ramènerai pas tout de suite chez moi. Je suis trop timide. Quand j'aime vraiment la personne, je suis assez timide. Ah bon? C'est mignon. Mais... Hey, mytho, pas mytho, mytho. Kamel, t'as l'habitude de cartonner avec tes comédies musicales, mais je suis sûr que même si tu décidais de faire un programme court, ça cartonnerait, et je pense qu'on peut regarder le premier épisode aujourd'hui. Ça s'appelle Un vampire, une fille. Chouchou, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, c'est un peu la fête. J'ai mis les petites fioles dans les grandes. Je t'ai préparé du groupe B négatif. Mais t'es complètement folle. C'est le sang le plus rare au monde. Ça a dû t'écouter un bras. Presque un bras. Tiens, d'ailleurs, je te rends la monnaie. C'est dégueulasse. Tu veux que je crève? Désolée, chouchou, ça manquait un peu d'assaisonnement. J'ai mis un peu d'ail. Oh là là, ça va pas ce matin, j'ai l'impression d'avoir 2500 ans. Mais c'est ton âge, chouchou. En tout cas, j'ai mal dormi, hein. J'ai super mal au dos. Allô, les pompes funèbres? Oui, bonjour, ce serait pour avoir des renseignements sur les cercueils. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, chouchou, tu dors mal, alors on va changer ta literie. Chouchou, tu viens au pieu? Pardon, je voulais dire au lit. T'es chiante. Il est 20h, moi je viens juste de me lever. Allez, viens me faire un petit câlin. Regarde ce que j'ai acheté. Un sextoy. Commence pas, après je vais avoir des envies. Ah, ce soir tu oublies, désolé, j'ai pas mes règles. Dracula, l'amour plus fort que la mort. Ce sera les 13 et 14 avril à Dijon, les 11 et 12 mai au de Toulon et en Belgique. Et en Suisse, les 1er et 2 juin à Genève. L'album est toujours dans les bacs. Ça s'appelle Dracula, l'amour plus fort que la mort. Nathalie Fauquette, Golan, Youssef et Kamel Wally. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir.